l'association Agir Ensemble Citoyens. Donc vous adressez-vous de votre côté en particulier à des populations un peu plus précaires. Donc vous avez organisé récemment par exemple un événement de nettoyage des forêts qui a été labellisé COP21 par la métropole, donc ça vous donne j'imagine une certaine visibilité en plus. Donc est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter rapidement l'action de l'association et puis ensuite voilà évoquer peut-être l'importance que revêt ce label pour vous, qu'est-ce que ça change, comment vous vous intégrez dans la COP21 locale désormais. Très bien. Bon, tout d'abord, je voulais remercier donc le personnel COP21 de Rouen, très chaleureux, très accueillant, et vraiment très actif, et vraiment de très bons conseils, mettre en relation les gens pour les sensibiliser et leur expliquer effectivement comment on peut apporter sa petite pierre à l'édifice. Effectivement, j'étais venu vous parler d'action écologique. Mais face au contexte social tendu, hein, il est devenu évident que le volet social est le plus urgent à aborder. Notre action citoyenne de ramassage de déchets, donc en forêt, effectivement, du Rouvray, et aux abords, hein, pendant tout le mois de juillet et août, nous avons fait beaucoup de ramassage de déchets, a du sens et a permis aux citoyens de quartiers populaires, hein, de se sentir impliqués dans le changement. Et force est de constater que les décisions du gouvernement sont venues vraiment leur rappeler que pour eux, il y avait des questions d'urgence capitale. Celle de pouvoir se nourrir, se loger, se vêtir, faire plaisir à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Un ventre vide restera sourd aux questions écologiques, quelle que soit leur urgence. Et ça, il faut vraiment bien le comprendre. Et moi, aux élus, maire, député, pour se faire le relais de qui ? Le relais des gilets jaunes. Parce que vous avez pu le voir, là, ça fait l'actualité, à Saint-Étienne-du-Rouvray, les gens sont vraiment très impliqués, parce que les gens souffrent, ils n'ont pas la possibilité, en effet, de pouvoir penser aux actions écologiques, parce qu'ils souffrent, ils ont faim. Pour les impliquer au quotidien, vous avez des actions très concrètes. Nous, de toute façon, nous avons mené, avec nos propres deniers, nos propres moyens, nous avons organisé des chasses au trésor pour faire sortir les enfants des quartiers et les amener dans la forêt. Les emmener dans la forêt, pourquoi ? Parce que c'est ici que part l'écologie. Voilà. Nous avons besoin d'arbres pour respirer. Nous avons besoin d'arbres pour nous protéger. Nous avons besoin d'arbres parce que ce sont des nids, des abris pour les animaux, pour tout le monde. Alors vraiment, je lance un appel. Et vraiment, le hasard du calendrier. Je voulais, par signe d'amitié auprès de mes amis, donc gilets jaunes, porter pour eux ce gilet comme un message d'alerte, comme un message pour dire, écoutez, l'action écologique, oui, mais d'abord parlons du volet social. Le fossé est vraiment en train de grandir entre les riches et les pauvres, et les très pauvres. Même les cadres aujourd'hui commencent à être touchés. Et est-ce que là, vous voyez que ça... Là, on parle de la COP21 locale aussi. Est-ce Exactement. Que vous avez cet élan? Comment vous en profitez? Le label, ça vous donne une visibilité en plus. Vous pouvez vous heureusement, dans effectivement, ce plan territorial, il y a déjà heureusement, un élan. Des outils. Des outils de communication. Et ces outils-là, vous en profitez au quotidien? Mais complètement. Heureusement. Nous avons choisi de travailler avec la COP21, de les promouvoir dans les quartiers, parce qu'effectivement, on n'en parle pas. Ils sont absents, parce qu'il y a d'autres priorités encore, comme je l'ai dit. Et vraiment, nous avons utilisé tous les outils de communication de la COP21, les panneaux, tout. Nous avons même, pour l'idée de la chasse au trésor, comme réponse, c'était l'année de la création de la COP21. Il fallait ouvrir un coffre au trésor. Donc les cadeaux, tout ça, évidemment, c'est nous. Les entreprises, parce que malheureusement nous n'avons pas eu grand chose de la part de nos collectivités. Et donc c'est pour ça qu'avant tout et pour tout, je tenais à lancer ce message. Voilà, ce gilet jaune est très important. Il faut le prendre en considération aujourd'hui, il faut l'amener sur la table des discussions. Merci beaucoup. Voilà, j'espère avoir été entendu. Ce témoignage. Et avoir été entendu par tout le monde. Merci pour nos enfants, nos petits-enfants, nos aïeux.
alors qu'ils souffrent vraiment. Voilà, je vais mettre ce gilet pour eux. Merci. Donc voilà, on voit l'importance aussi, outre voilà, la question de la sensibilisation d'un public jeune, on voit la question environnementale, elle n'est pas forcément la préoccupation première, en tout cas de certaines populations dans le besoin. Donc des associations au quotidien cherchent à les investir de différentes façons.